Bon, vous trouvez pas? J'ai adoré, tout simplement. Bon, qu'est-ce que font les garçons? Je suis de retour. Oh, mon chéri. Je n'aurai jamais de mec. Rien. T'en fais pas. D'accord. Et Mathieu, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est vrai, tiens, il n'est pas là. C'est qui, Mathieu? C'est ton chéri? Mes chères demoiselles, qu'est-ce qui vous emmène? Vous n'auriez pas vu un kangourou il y a à peine 2 secondes? Il était avec un chien, mais apparemment je ne le vois plus. Oui, j'en ai vu un, mais j'ai pas trop regardé où il est parti. Ah, alors il est parti? Oui, il est parti. D'accord, je vais le dire aux autres. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. C'est pas vrai, il aurait jamais pu faire ça. En plus, il l'aime de tout cœur. Et c'est même lui qui me l'a dit. Je ne vous mens pas, je vous le promets. J'ai pas le droit de vous le dire, donc vous le dites à personne. Surtout pas Mélissa, ça pourrait trop la vexer. C'est horrible. Comment peut-il faire ça? J'espère que tu mens. Je ne mens pas. Tu as tout entendu? Non. Mélissa! Mélissa! Grande sœur! Et ça y est, c'est moi qui dois tout porter. Hé, revenez ici, bande de chenapins! Vous n'avez pas payé! Revenez! Mais où est-elle? Non. Ça y est, je la vois, elle est là-bas. Mélissa. Ne pleure pas, je t'en prie. Je suis trop triste. Non. Je ne peux pas arrêter de pleurer, c'est vrai ou pas? C'est vrai! Dis-moi la vérité, dis-moi! Non, ce n'est pas vrai. Il ment. Non, ce n'est pas vrai. On voulait juste voir ta réaction, ne t'en fais pas! On voulait voir ce que tu allais dire si on disait ça. Ne t'en fais pas. Il ne pourrait jamais te tromper. Oui, c'est ça. Non! Bon, allez, au revoir tout le monde. Je t'en prie, pleure pas. Y'a de quoi pleurer. C'est une blague. Oh, t'en fais pas. Allez, bisous. Bisous, je t'adore. J'espère que c'est une blague. Et heureusement. Allez, au revoir. Thérèse. Ah, oui, j'arrive. Allez, on y va. Au revoir. Ça y est. Je suis encore désolée pour la mauvaise blague. Oh, c'est pas grave. Allez, bisous. Je lui ai dit que c'était pas vrai. Et j'espère, hein. J'espère que tu mens pas, Chad. Non, je te jure que je mens pas. Bon, d'accord. Allez, bisous, mon amour. Je t'aime énormément. Salut, Chad. Merci beaucoup pour les sacs. Oh, tu sais, c'est pas de quoi, même si j'étais un peu trop encombrée. Mais bon. We'll be right back.
shut up and drive. Aïe. Oh. Ça va? Oh, mon pauvre sac de chez Mickey. Il a souffert, il est tombé par terre. Et mon portable, oh, rien de cassé, oh non. Oh non, il y a de la moitié de la poudre par terre. Oh, c'est quoi ce bordel? Oh non, 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 j'ai payé ça si cher. Elle ne changera donc jamais. En fait, salut, ma chère Mickey Gris. Salut, Grisette. Alors, ça va, rien de cassé ton sac? Non, non, ça va, il vient. Non, c'est bon, je m'inquiète plus pour moi que pour mon sac, tu vois. Et encore plus pour mon ami. Oh, je suis désolée, je suis trop accro à mes affaires. Mais en fait, Mélissa n'est pas là. D'habitude, elle arrive tout le temps avant nous. Ah oui, c'est vrai, tiens, je l'ai pas vue arriver. Enfin, je l'ai pas vue même quand je suis arrivée. C'est vraiment bizarre. Oui, parce que elle ne met pas beaucoup de temps pour se préparer. Alors que nous, tu nous connais, hein, on est les reines de la beauté. Les reines de cette université. Alors là, ma chère Grisette, je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous sommes les meilleures. Et nous ne changerons jamais. Quoique là, je regrette un peu ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Mélissa, elle a une nouvelle robe, elle a un nouveau papillon, elle a un nouveau chapeau, elle a un nouveau sac, elle a quoi? Où elle est? Je veux la voir. Alors là, tu t'es complètement gourée, ma belle. C'est pas Mélissa qui a là, c'est... Les plus belles du monde, si vous voulez savoir. Les plus moches, oui. C'est nous les plus belles, vous voyez. Son frère fait de la boxe. Fais attention, ma petite. Mon frère fait de la boxe, si tu n'étais pas au secours. Elle lit dans tes pensées. Là, là, là. Bon, on vous laisse, les microbes. Toi, c'est moi qui dis ça, d'accord? Oui, donc comme ma chère amie vient de le dire, on va vous laisser, d'accord? Bah tant mieux. Oh non. Bon, venez les filles, on y va. Ciao! Et les petites citrouilles. Ouais, bah part, il ne revient jamais. C'est quoi ce papier? Il me semble que c'est tombé de la poche d'Estelle. Voyons voir, c'est écrit des choses aussi. Bah quoi, arrête de me regarder comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de marqué dessus? C'est le numéro à Chad. Donc ça veut dire qu'il lui a donné. En plus c'est même marqué Chad au-dessus, c'est son écriture. Quoi? Mais... Alors, il lui parle, ça te suffit? Non mais j'y crois pas là, ça devient bizarre quoi. Eh ben oui, à croire, il lui parle, à moins qu'elle l'ait capturé, ligoté avec des cordes, et elle lui a supplié de donner son numéro, sinon elle lui trancherait la gorge avec un gros couteau de boucher. Tu racontes vraiment n'importe quoi, ma chère Grisette. Bon, il faut surtout pas qu'on le dise à Mélissa parce que elle pourrait avoir peur que ça soit elle, la fille avec qui il la trompe. Ah mais oui, t'es pas si bête que ça, hein, quand j'y pense. Ah bah super, alors toi, t'es pas bête avec ton histoire de charcutier? Ah oui, bon, j'avoue. Bon, t'as raison, mieux ne vaut pas en parler à Mélissa parce que elle pourrait s'inquiéter. Déjà qu'elle est inquiète. Et en plus... Elle n'est toujours pas arrivée. Je me demande qu'est-ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a?